Grenoble 5e reçoit la CAJ-Axio 16e, des trajectoires très différentes pour les deux clubs, car Grenoble a réussi une série formidable, 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Le promu est en forme, notamment dans les matchs à domicile, alors que la CAJ-Axio a plus de difficultés. Pourtant, la première occasion est corse grâce au capitaine Ghislain Gimbert. Des Corses qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 4 dernières parties et qui sortent d'une défaite à domicile 2-1 contre le Gazélec lors du derby. La CAJ-Axio se comporte plutôt bien en première période. Première opportunité pour Grenoble, elle est timide. Benjamin Leroy a bien capté la balle. Il en faudra plus pour marquer de la part des hommes de Philippe Hinchberger. C'est un exploit individuel qui permet de voir le 1-0. C'est signé Arsène Elogo à 20 minutes de la fin. Le premier but en Domino's League 2 pour le joueur camerounais. Arsène Elogo marque un but très important. Ça débloque complètement la situation. Grenoble est bien parti. La CAJ-Axio essaye de réagir, mais c'est compliqué car la confiance est totalement grenobloise. Nouvelle opportunité énorme pour Florian Sotoka qui réussit à porter le score à 2-0 à 5 minutes de la fin. Déjà un 6e but pour Sotoka. Bien servi par Youssouf Mchangama. Sotoka va au bout de son action et permet à Grenoble de se détacher. La fin de partie totalement à l'avantage des grenoblois. La CAJ-Axio ne parvient pas à réduire l'écart. Il y a pourtant cette toute dernière possibilité. Mais c'est un danger écarté par Brice Maubleu. Victoire de Grenoble, 2-0 contre la CAJ-Axio.